Les gens sont super demandeurs de toute façon. Ils ont besoin de trucs, ils ont besoin qu'on leur propose des choses comme ça. Et... C'est intéressant, bah, surtout pour les enfants, parce que ça manque. Voilà, il n'y a pas forcément d'activité spécifiquement pour les enfants. Le lieu s'y prête, ça a un petit côté magique. Et... Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'installer ce projet dans le temps qui soit durable. C'est pour ça qu'on cherche en fait un véritable modèle économique pour le festival. On réfléchit à notre empreinte écologique, quelles sont les différentes sources. Donc on a les déchets qu'on peut recycler, les déchets qu'on peut composter. Aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est la question des sanitaires. Comment assurer à la fois un confort pour nos festivaliers tout en essayant de réduire notre impact sur l'environnement. Et c'est notre responsabilité de retraiter ces déchets. La solution aujourd'hui qui apparaît, c'est pourquoi pas construire nos propres toilettes et de s'inspirer de modèles qui existent déjà, des modèles innovants comme EcoSec par exemple, qui font des toilettes sans odeur, avec très peu de coûts en termes de traitement ou d'électricité, et qui même passent aux festivaliers leurs petits sachets de compost faits à partir des propres sanitaires du festival, ce qui est quand même complètement fou quoi. Donc c'est un modèle qu'on a envie de s'inspirer, ils sont d'accord pour nous aider dans ce projet-là. Donc si on arrive à réunir les fonds aujourd'hui grâce à la fabrique Aviva, ça nous permettra de commencer à construire ce modèle. Et on aimerait aussi créer des douches innovantes pour nos festivaliers avec un modèle de réutilisation de l'eau ou même chauffer l'eau des douches à partir de panneaux solaires. Donc c'est plein d'idées qu'on aimerait mettre en place aujourd'hui. On va peut-être commencer petit avec d'abord cette collaboration avec EcoSec. C'est la voie sur laquelle on a envie de se lancer. Compétences qu'on pourrait ensuite faire partager auprès d'autres associations ou d'autres collectifs qui font face exactement aux mêmes problématiques quand on crée leurs propres événements. Compétences qu'on aurait acquises et qu'on pourrait financer en fait, et que les fonds générés par ce prêt de compétences puisse refinancer ensuite le festival. Voilà un modèle économique auquel on aspire et auquel on croit.